Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 1 où il a trouvé des passages secrets, des passages qu'il ne voyait pas parce qu'il y avait ici un petit carré de noir, donc il ne Je le voyait ferai pas. de mon mieux. Donc Vous devez allons-y. réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ils sont l'un derrière l'autre, quoi. Ah! Qu'est-ce que cela? Je sais pas où on est, S'il n'y a pas le choix. mais on y est. Bah oui, il n'y a pas le choix. En avant! Tabasson, c'est con! En avant! Ah, il n'y a eu personne là. Courtisane? Mais pourquoi lui je le voyais pas? Ou alors je le voyais mais je l'ai pas vu parce qu'en fait tous mes persos ont popé là quoi. Ah d'accord. Pour voir la Salut sortie. camarade. Bonjour, mangez, buvez et faites la fête. Faites la fête? Tout votre saoul, hein? Très bien. Mais soyez gentils, pas dans mon bureau. Si vous êtes prêt à payer les tarifs de la lanterne assourdie, alors l'accueil sera plus chaleureux. Mais vous êtes dans les caves souterraines, et si les recrues sont moins chères, ma compagnie ne l'est pas d'accord. Il fallait qu'on traite des affaires véreuses dans le coin. Pas besoin de m'en traiter sur vos grands chevaux, messieurs. Je voudrais faire. Je partage un verre avec le patron, c'est tout. Si j'étais vous, je ne parlerais pas sur ce ton. Pardonnez-moi mon intrusion, je m'en vais immédiatement. Gardez votre politesse pour les courtisanes. On va peut-être pas lui dire que c'est un connard, hein, ce monsieur. Alors, une courtisane, non. Nous, c'est pas les courtisanes qu'on cherche. On cherche des gens précis qui ont un nom. Normalement, il y a des gens nommés ici. Je me souviens plus de leur nom. Ah, celle-là est déjà prête. Ça m'a l'air déjà d'être un bon point. Regardez, Christine chérie, ce sont les héros de la Côte des Épées. Ah, c'est C'est ça. eux le véritable enjeu. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a là? De la chair? Je ne sais pas, Slit. Elle est où, Cristania? Je ne la vois pas. Ils sont si grands et menaçants. Oh, pardon, je pensais à quelqu'un d'autre. Elle a une langue d'acier et un cœur d'or, ma Christia. Elle est tellement jolie qu'elle sera invisible pour faire harceler par les hommes. Il faut leur dire. Oh, chérie, tu me connais, je connais bien son Slitty. Et là, pas la peine de nous regarder pendant qu'on se fait des mamours. Ce ne sont pas vos oignons. Quoi, mon cœur, je n'ai pas bien entendu. Ma fiancée Christia me dit que vous avez un faible pour les grands-ducs. Oui, bah oui, on est là pour les grands-ducs, quoi. Ouais. Un de moins, il ne reste plus que deux pauvres ducs. N'aurait-il pas mieux fait qu'ils meurent tous ensemble? Bah, Christian, il ne faut pas tout leur donner comme ça. C'est leur servir sur, comment dit-on déjà, un coteau d'argent? Oh, et puis assez joué au chat et à la souris, je ne suis pas fait pour ça. On les tue maintenant. Je t'aime. Christine, Quoi? chérie, vaquez à vos occupations. Nous Vous sommes des désirez de mon mieux. professionnels. Barrez-vous. Parlez-toi. Je vous sens Christine, mal. chérie, vaquez à vos. Je vais Voilà. avoir besoin de soins pour. Allez, d'accord, il nous touchote, le monsieur. Ok, on en est là. Ok, ça va être Je bien. peux toujours essayer. Ah ouais, non, mais dis-là, d'accord, ok. Je peux On joue toujours vraiment dans essayer. les persos, quoi. Problème des vieux jeux, quoi. Ouais, non, mais attendez, le mec là, il nous touchote, quoi. Il nous touchote un perso, quand même. Jaira, il la touchote. Alors, passons au premier. Regardez, Christine chérie, ce sont les héros de la Côte des Épées. C'est eux le véritable enjeu. Puis-je vous aider? Vous désirez? Paf. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Non mais il nous touchote quoi, sérieux. Non mais il fait trop mal. Et en plus il sprint quoi. Je ferai de mon mieux. Attendez. À chaque fois qu'il tape, il touche quoi. À chaque fois qu'il tape, il touche quoi. C'est quoi ce perso? Puis-je Sérieux ferai de mon quoi. mieux. Je ne peux pas lui tenir tête. À chaque fois qu'il touche,
il blesse. Et il fait 50% de ma vie. Non. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il y a des jets de dés à faire, hein, quand même. Arrivé un moment, tu peux pas avoir plus 28 pour toucher. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. Et j'ai cliqué sur mon perso principal. Regardez, Christine chérie. Ce sont les héros de la Côte des Épées. Attendez, moi, je veux voir à combien il touche, quoi. Je veux vraiment voir à combien il touche pour avoir une idée. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Attendez. On est d'accord que là, il ne fait que plus 1 sur son jet d'attaque. Comment ça se fait qu'il me touche un perso, bordel ? Pardon. Mais là, il fait plus que plus 1, quoi. Donc, en fait, le jeu lui donne des jets de dés favorables. Donc, il a... tous ses jets de dés sont à 48, 12 000, quoi. Là, on a perdu personne. Voilà. Là, il y a eu un combat normal où le perso ne m'a pas one-shoté. Enfin, je suis désolé. À plus 1, le perso ne peut pas... toucher à chaque fois, hein. Il y a arrivé un moment où il faut arrêter les conneries. Le serviteur de Dame Nature attend. Puis-je vous aider ? Ok. Ah, Yael aussi a tué maintenant. Puis-je vous être utile ? Ça a l'air d'être une magicienne, donc normalement, au corps à corps, ça devrait aller. Si elle n'est pas invincible. Qui l'a tué ? Bon, bah on peut recommencer. C'est parti. Je veux pas avoir de mort. Je veux pas avoir de perso de mort, vous le savez. Parce que j'aime pas ça. Et que des persos qui te touchotent ou des persos qui font un sort, t'es mort. C'est bon, quoi. Moi, mon mage, il fait 4 points de vie. Eux, ils font 35 en un sort. Il arrive un moment où il faut quand même que le jeu il soit honnête avec vous. Hein. Les jeux pas honnêtes, ça m'énerve. Je veux bien que c'est un jeu des années 90 qu'il fallait mettre de la durée de vie. Et donc, la durée de vie, ça se passait par la difficulté, regardez, mais quand même. Christine chérie, ce sont les héros de la Côte des Épées. C'est eux, mais le quand véritable même. Enjeu. Avez-vous besoin de mes quand même, il arrive un moment où il faut arrêter les conneries. Bordel de merde! Pourquoi tu fais pas ton sort? Il faut viser les yeux! Alors, en vrai, là, je devrais faire une boule de feu dans le tas, mais. Pour blesser l'autre con. Qui tape là? Mon perso, moi, c'est bien. Mais regardez combien de dégâts il a fait, quoi. Combien de dégâts il a fait? 13 points de dégâts! Ah non, c'est infligé par Khalid, pardon. Elle subit 14 points de dégâts par un mec. Bah putain. Tout ce qu'il vous plaira. Sauf que moi j'ai pas 800 PV, donc moi ça me met mid-life, quoi. Quand toi ça te met... toi ça t'enlève rien, quoi. Comme vous voudrez. Non, j'ai clairement cliqué sur ce perso-là. Ok. Alors, oui, mais là on est toujours en... Je peux pas sauvegarder. Parce que je suis en combat. Bah oui. Quoi ? Parce qu'il y a l'autre con. Oui. Toi, tu vas te soigner. Puis-je vous être utile ? En vrai, flèche de feu, quoi. Je sais pas, fais quelque chose. Vous êtes une bien étrange personne. Khalid. Puis-je vous aider ? Ok, tu peux rien prendre, très bien. Ok, tout à l'heure, on a pu. Hein, mais, on dira rien. Ah, ok. C'est censé être un mage. Pourquoi je lui ai fait 0 dégâts ? Jette sort flèche enflammée sur Christine. Je n'ai rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi ça ne lui fait pas de dégâts. Je n'ai pas d'autres détails. Elle a juste rien fait. Ok. Non mais oui, non mais je pourrais avoir le détail. Elle a un sort qui l'empêche. Là son bouclier c'est quoi? C'est contre quelle énergie? Donc c'est contre le feu. Donc si j'utilise flèche d'acide ou éclair, ça lui fait des dégâts. Très bien. On est d'accord. Ok. Donc c'est
électricité, feu et acide. Donc en fait c'est tout. J'aimerais bien le savoir ça. Donc elle est immunisée à tout. Très bien. Non mais c'est très bien. J'aime ça. J'aime ce. Butez-la. Voilà. Merci. Elle est immunisée à tout, donc je veux dire, arrive un moment. Avez-vous besoin de mes services? C'est clairement le genre de mec qui m'énerve. Figure autoritaire omniprésente. Je lui mets des buffs débiles juste pour empêcher que vous puissiez la battre facilement. Je peux toujours essayer. Ok. Donc maintenant, on peut sauvegarder. C'est franchement des buffs débiles ça. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui ai rendu les mobs hyper balèzes. Hein. Vous avez quelque chose à accomplir? Le serviteur de Dame Nature attend. Ok. Bon. Alors. Je peux toujours essayer. Vous voulez voir mon décolleté ? Mais bon, je les ai tués. C'est bien. Mais ça nous a rien appris. Ça nous a pas vraiment appris grand chose de les tabasser. Une invitation à la cérémonie d'investiture du grand-duc. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. On a l'invitation. D'accord, bah puisque j'ai l'invitation, on va pouvoir y aller. Alors, est-ce qu'il y a des sorts qu'elle ne connaît pas? Oui. Oui. Oh, il y a plein de sorts qu'elle connaît pas, Jacqueline. Oh, il y a plein de sorts qu'elle connaît pas, Jacqueline. Ça. Bi plus 1, boum. Une économisation de 1 d'espace. Bah, je t'ai. Hey. Voilà. Mais tu vas jouer avec ça. Ça. Bi plus 2, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On s'économise rien. Bordel de chiottes. Très bien. Bah écoute. Vous savez ce qu'on fait quand c'est comme ça. Et oui. Ça, elle connaît pas? Bah très bien. Alors. Sauvegarde. Hop. Alors, on fait Q. Voilà, sauvegarde. Tout ce qu'il vous plaira. Vous n'avez pas réussi? Dommage. Ah, je suis vraiment médusé. Vous copiez le sort dans le livre de mage. Très bien. C'était quoi comme sort en fait? Je ne sais pas. J'ai pas lu. Vous désirez? Ça non, il était pas là-dedans. C'était un truc bleu. Non détection. Très bien. Je suis très heureux de l'apprendre. Alors, qui ensuite. Serviteur de Dame Nature. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ça, elle l'a déjà. Ça, c'est quoi? Protection contre les projectiles normaux. Ah. Bah écoute. Hop. Hop. Vous avez réussi à copier le sort. Bravo, vous êtes fort. Ça, elle a pas. On va lui mettre. C'est quoi comme ça? Clairvoyance. Ah, clairvoyance, c'est très bien. C'est très très bien. Le sort clairvoyance permet au magicien de voir dans son esprit les limites de l'endroit où il se trouve. La portée du sort est très grande, mais ne vous permet pas de révéler les créatures présentes dans la zone, ni leurs mouvements. Quand vous avez la map, mais vous n'avez pas les monstres qu'il y a dedans. Très bien, merci. Dinaire, oui, des fois tu es utile quand même. Figure autoritaire. Alors, ça tu l'as pas. Très bien, pas de souci. Moi il n'y a pas de souci. Hein. Moi vous savez, c'est comme ça qu'on fait des sorts. Hein. Convocation de monstres. Tu te fous de ma gueule. C'est niveau 1 quand même. Merci. Hop là. Ensuite, ça tu peux pas utiliser, ça tu connais déjà. Ah, ça tu connais pas. Très bien. Alors, Q. Oui, Jacqueline, oui, on fera l'amour après. Piège à crâne. En jetant le sort, le mage lance un crâne dans la zone visée. Le crâne flotte dans les airs jusqu'à ce qu'une créature s'en approche à moins de 2,4 mètres. Il explose alors en infligeant un des 6 points de dégâts. Par niveau de mage, toutes les créatures présentes dans un rayon de 3,60 mètres, ces dégâts sont divisés par 2 en cas de jet de sauvegarde contre
le sort. Très bien. Alors, le problème de ça, c'est que ça touche toutes les créatures, donc y compris nos hommes à nous. T'as pas réussi ? Franchement, tu me déçois. Maintenant, si tu réessayes. T'as pas réussi ? Franchement, tu me déçois. Réessaye. T'as réussi, bravo à toi ! Pardon. Puis-je vous aider ? Est-ce que tu triches un petit peu ? Presque pas. Je peux toujours essayer. Vous voulez voir mon décolleté ? Oh, enfin, un décolleté, ça me dérange pas, mais si je peux avoir ce qu'il y a dans le décolleté, ça m'arrange un peu plus quand même. Comment il parle, salaud ! Ok, personnage ralenti. Ah merde, notre perso est trop lourd. Peut-être que s'il donnait cette arbalète à Minsk, le personnage est trop éloigné. T'inquiète pas, Minsk, j'arrive. Qui en veut ? Ich komme ! Minsk. Voilà ! Avez-vous comme besoin quoi de mes... Je ferai merci, de Minsk. Mon mieux. Donc maintenant on peut aller. On peut aller voir le duc. Alors, on peut aller Je voir peux les grands ducs. Je ferai de mon mieux. C'est Hoquetière. Mais en fait, j'aimerais bien vendre mes objets. Ou en analyser certains. Après, je suis pas sûr que chez les prostituées on puisse trouver ça. Quoique, on ne sait jamais. Moi, vous savez, moi, je suis un grand fan des prostituées. Bien, les gars, vous en profitez des plaisirs. Des caves souterraines, il faut payer 10 pièces d'or d'entrée. Après ça... Ah, d'accord, voilà votre argent. Merci, camarade. Je m'en bats les steaks. Ce que j'aime bien, c'est que je suis déjà à l'entrée. Votre groupe avant d'aller plus loin. Donc, en théorie, tu devrais me dire que... Vous m'avez l'air bien sympathique. Je vous en prie, vous devez... Sauver ce satané fer. Pourquoi verser tant de larmes pour une crise qui est politiquement que personnelle ? La guerre est politique, mais n'estropie-t-elle pas les maris ? Ne tue-t-elle pas les fils ? Mon mari menait la charrue derrière nos chevaux lorsque une pièce de fer s'est brisée. Les chevaux se sont emballés et la charrue s'est soulevée pour pour retomber sur mon homme. Pauvre petit. Il était traîné sur 20 mètres. Aïe, il est à l'agonie. Je ferai de mon mieux. Ah, je comprends un peu, hein. Vous savez, moi. Arrivé un moment. Vous désirez. On a tabassé tellement de gens que j'ai envie de dire. Nous, ça ne fait plus rien, quoi. Hein. Merci pour l'argent. Alors. Qui a encore de la place Quoi en fait oui. Plus de place. Toi, t'as une place. Ça tombe bien, tu vas pouvoir prendre l'anneau. Alors, tu vas prendre l'anneau. L'anneau, tu le mets dans ton sac. Et ensuite, tu prends la dagounette. Et oui. Je ferai de mon L'argent. Qu'est-ce qu'il veut lui? Moi être Lars, vous être Yuna, vous pas dire non, il me fallait pas venir à la porte de Baldur, vous avez reçu beaucoup d'avertissements, mais jamais écouté. Maintenant il faut payer, je regrette, mais Lars doit tuer. J'ai de botter le cul. Une minute grosse botte, hein. Qu'est-ce que vous faites? Pensez que je suis Yuna, j'ai vraiment l'air de ce genre d'héroïne. Yuna a une force destructrice aux yeux du feu et de la voix du tonnerre. Hein, vous devez être Yuna. Moi, voir portrait, ressemblez-vous. Yeux, pas lancer feu, et voix pas forte. Mais portrait, avoir la voix. Très bien, nous allons vous laisser. Bien le bonjour, cher monsieur Lars. Vous nagez en pleine confusion. Voici mon conseil. Allez donc jeter un œil sur ce portrait. Vous vous rendrez vite compte de votre méprise. Ouais, bonne idée. Voilà. Franchement, c'est un vrai plaisir de que proposez-vous, un mon bon ami comme toi. Ah, je ne peux juste dormir chez toi. Bah, très bien. Impossible de se reposer. Merci, c'est toujours très sympa. Cassons-nous. Je voilà. Peux toujours essayer. Ah, on a payé que 10 pièces d'or une seule fois et après on peut en faire autant qu'on veut. Mais très bien. Ça, c'est quand même la vie, ça.
Imaginez, vous allez dans une maison de... une maison de joie, et vous payez 10 euros l'entrée, et après vous pouvez être satisfait par toutes les employées. Ce serait quand même la vie, non? Mais excusez-moi, je vais repasser par les égouts quand même. Les égouts, c'est tellement mieux. Groupe avant d'aller plus loin. Ah oui, les égouts. Je ferai de mon mieux. Ça m'avait manqué, les égouts. Ok. Donc, ici, on arrive où? Ah! Devant des jacquis. Où est la porte? Je voudrais me casser. La porte. C'est pas grave, on allait sauvegarder juste avant. De mon mieux. Et parce que là, on n'est pas en face, on peut être de l'autre côté de la ville. Hein. Je ferai de mon mieux. Vous le savez. Parce que ça n'a pas de sens. Salut, cop. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mince, ravi de faire votre connaissance. Est-ce que le comte Connoldy Finn pourrait bien vous raconter? Une trahison chez Noble, les combines dans les rues de malfamés. On attend des choses pendant... Que savez-vous sur le trône de fer de ses activités? Quelle rumeur avons-nous entendu récemment? Oh, il y a un tas d'histoires sur les caves souterraines et ceux qui veulent s'y rendre incognito. Oui, bon. On sait. Je peux toujours essayer. Et pourquoi t'es pas passé par l'autre côté? Veux-vous du whisky? Je veux du whisky. Ouais. Ah, je peux toujours pas. Ah, si, là je peux me reposer, d'accord. Mais je peux pas me reposer chez les prostituées, mais je peux me reposer dans une auberge random. D'accord. Non mais moi ça me va. Hein. Moi j'aurais préféré dormir chez les prostituées, mais bon, après... chacun son trip, quoi. S'il n'y a pas le choix. Vous le savez. Hein. Bon. On préfère aller dans une auberge random, on va dans une auberge random. C'est comme ça, c'est la vie. Kasumi, où es-tu? Libère-moi, s'il te plaît. Pardon. Alors, ici, on est où? Ah. Maison de Kin. Je peux toujours. Qu'est-ce essayer. Qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Très bien. C'est verrouillé, on va peut-être pas ouvrir la maison de je tous les gens. Je peux toujours essayer. On arrive où ici? Ça n'a pas de sens. Regardez, en traversant, on s'est téléporté là, quoi. Pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Essayer. Je peux toujours on rappelle essayer. Que c'est ça la distance, hein. Au sud serait... On sort au sud, on va au nord, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'en fait, il faut tout tester. Regardez, là, on était là, à peu près, hein. On était là, à peu près. On prend... Donc, alors, là, c'est à gauche. Après, on va à droite, on se retrouve là. On descend, on se retrouve là-bas, quoi. Ça n'a tellement pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens. Non, je sérieusement, ça n'a pas de, sens. Mieux. Bonjour. Pas de marchand ici. S'il n'y a pas le choix. Il me faudrait des marchands. Moi. Il faudrait que je puisse vendre mon bordel. Sans alerter la garde surtout. Bref, cassons-nous. La maison des Grands Ducs, elle était où? Elle était là, je crois. C'est pas je ça. Ferai de mon mieux. Non. Bouge pas. Non. Quoi? Qui m'a vu? Un garde? Merde. Et pourquoi je peux pas partir? Vite! Les Grands Ducs, c'est où? Allez! Je peux toujours essayer. On sait pas dans cette ville, y'a rien qui est logique. C'est pas là, les Grands Ducs? Je peux toujours essayer. C'est où, les Grands Ducs? Je sais plus, moi. Cette ville est un fléau pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Oui, Jacqueline. Je ferai de mon mieux. C'est où les Grands Ducs? Je sais même plus, moi. Demeure de Ramachin, temple d'homme. Ah, le palais ducal. S'il n'y a pas le choix. Bonjour, Bill, le gardien. Ah oui, non, mais Bill, c'est un copain. C'est vrai. Je serre le poing enflammé. Non, pas d'invitation. Voici les invitations. Ne soyez pas impatients. Voyons ces invitations. Oui, elles semblent authentiques. Très bien. Allez, on rentre dans le palais ducal. C'est parti. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je Ça pue. Le point enflammé. Pourriez-vous me montrer vos invitations?
Nous n'avons pas besoin d'invitation. Voici les invitations. Merci beaucoup. Passez maintenant. Ah, et donc si on leur avait dit fuck off, ils nous auraient tapé. Je ferai de mon mieux. Très bien. Toi, viens, Jacqueline. Ne me touchez pas. Vous êtes non. Sale. Oh, on s'est lavé il y a 6 mois. Arrêtez, hein. Ah, il y a Sarivok juste là. Maintenant que tous les invités sont là, nous pouvons entamer la cérémonie. Comme vous le savez tous, aujourd'hui est un jour particulier pour la ville de la Porte de Baldur. Le moment est venu d'accueillir un nouveau membre parmi les Grands-Ducs. Bien sûr, la perte d'Enlar a été un véritable drame. Les voix viennent de ceux qui subissent la dictature des propriétaires terriens. Le résultat était presque unanime. Et le duc Eltan, son état s'est-il amélioré? S'il meurt, qui le remplacera? Des rumeurs annoncent qu'Amn s'organiserait pour la guerre. Pourquoi ne nous y préparons-nous pas, nous aussi? Avec cette pénurie de fer, comment pourrons-nous nous défendre? Qui nous fournira le fer dont nous avons besoin? Moi! Non. Pourquoi pas le Zhentarim? J'ai entendu dire qu'il pourrait être impliqué. Je crois que Eltan a été empoisonné par des membres des voleurs d'ombre qui essaient apparemment d'éliminer nos chefs. C'est la même personne qui parle mais avec deux voix différentes. Je pense qu'il est schizophrène ou bipolaire. Toutes vos questions seront élucidées en temps et en heure. Vous pouvez me croire. Antar a été tué par des voleurs de l'ombre. Agent d'Amn. Si ce n'est pas évident pour vous, ça l'est pour moi. Amn veut la guerre. Les preuves rassemblées sur le meurtre d'Antar nous font penser qu'il s'agit d'un coup des voleurs d'ombre. Mais... Comment ça, c'est ridicule? La signature laissée sur le corps est-elle la marque des voleurs de l'ombre? Êtes-vous donc aveugle et stupide? Si vous me permettez, la signature laissée derrière était flagrante. Et il se peut qu'elle ait été placée là pour nous tromper tous. Qui donc voudrait nous tromper? Mais en fait, les gentilshommes, ils sont tous bipolaires. Ils ont tous des voix, ça dépend de ce qu'ils disent en fait. Peut-être devrais-je intervenir avant que cette réunion ne dégénère en chamailleries inutiles. Nous sommes ici pour accueillir le nouveau grand-duc. Aussi ferions-nous mieux de reprendre sur ce sujet. Aussi le nouveau grand-duc, Sarivok. Quel honneur, oui je suis Sarivok. Moi j'ai payé tout le monde pour être duc, tout ça, tout ça. J'accepte mon nouveau poste ainsi que toutes les responsabilités qui m'incombent. Oui. Alors, j'aimerais d'abord répondre à certaines questions qui m'ont été posées précédemment. Les rumeurs selon lesquelles l'âme mobiliserait ses troupes sont entièrement vraies, tout comme l'implication de ses partenaires Zent. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons de quoi nous défendre. Les Zent ont peut-être essayé de nous priver de nos ressources les plus précieuses, notamment le fer, mais nous ne sommes qu'affaiblis, pas vaincus. Ah, donc nous allons nous battre avec des flèches en bois. Très bien. Lorsque mon père a été assassiné, j'ai hérité de son pouvoir sur le secteur ouest du trône de fer. Il dispose là-bas d'importantes réserves de fer qui suffiront à nos besoins. Je les distribuerai à nos citoyens pour qu'ils en disposent selon leur volonté. Malheureusement, notre plus grand commandant militaire repose sur son lit de mort. Ah, et c'est une épreuve douloureuse pour la cité. Pour veiller sur ce, le point enflammé, eh bien, quand j'assurerai le contrôle du responsable maintenant actuel, Angelo, bah, il est mort. Attendez un instant, cette décision n'est pas de votre ressort. Angelo est mort. On lui a fait manger notre épée. Taisez-vous, laissez parler Sarivok. Au lieu d'attendre que la guerre nous frappe, nous la déclarons avec le poing enflammé, nous devrions pouvoir facilement assiéger la ville de Nashkel et ensuite fortifier rapidement le col à travers les pics brumeux. Qui ose m'interrompre? Bah écoute... Hein? Qui... Hein? Qui... Hein? Ah mais on est avec Sarivok! Je ne comprends plus rien. Abaissez-les. Je ne vois rien. Combien de PVG? D'accord. On nous touche pas. C'est déjà pas mal. Ok, lui est mort. Le pognon. Donnez-moi le pognon. Bien. Les yeux. On a des trucs. Ok. On va tabasser les. Hein.
En tout cas, on a un super truc ici. Truc magique. Alors, attendez. Qui peut prendre? Toi, tu peux. Non, tu peux pas prendre. Le serviteur de Dame Nature attend. Prêt à l'attaque, armure et épée en place. T'as pu prendre. Pourquoi t'as pu prendre ça? Alors, qu'est-ce que tu pourrais jeter, toi? Ça, tu pourrais le jeter. Ah, ok, alors. Hein, quoi, t'es en plein fight? Oui. Et alors? Je vois pas ce qui dérange. Qu'est-ce qui vous dérange que je sois en plein fight, en fait? Tout ce qu'il vous plaira. Voilà. Lui, tapez-le. Alors, par contre, Imoen, elle, ils sont... Ah bah ils sont loin, c'est très bien. Avez-vous besoin de mes services? Très bien. Ok. Ok. Alors. Qui est prend cher? Kali, tu prends cher. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Okay. Je ferai de mon mieux. Je suis la loi. Pour ceux qui ont péri. Alors. Nous avons encore des objets à récupérer. Alors regardez, Khalid, tu peux encore récupérer des objets. En vrai. Ça, t'en as pas déjà une, Khalid? En vrai? Mais si, voilà, 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 voilà. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, très bien. Quoi? Je peux position. Essayer. Oui, oui, oui. Alors, soin majeur sur lui. Ok, heureusement, braves gens, vous êtes intervenus en notre nom. Que puis-je faire pour vous remercier? Je tiens un coup d'œil à ces documents. Si ça évoque qui a essayé de vous tuer, qui a fait Entar et a affaibli Eltan. Je vais vérifier, je vous préviens, si vos accusations sont fausses, ce jugement sera terrible. Angelo, ce sont les personnes recherchées. Tuez-les. Ne faites rien à ces hommes tant que je n'ai pas fini de lire ces documents. Vous n'avez pas besoin de lire ce document, mais puisque vous persistez à ne pas suivre mes conseils, je vais aller voir. Puis-je vous aider? Tuez-le! Tuez sa revoque! Je ferai de mon mieux. Non, chargez! 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 Tu es là! Tu es là! Smash! Je suis la loi! Je suis la loi! Ah! Imoen! En vite! Imoen! Fuis! Fuis, Imoen! Ah c'est bon, il a pris Imoen pour cible. Dis machin, barre-toi. Oui, vous deux, tapez-le. Vous désirez. Tuez-le. Tuez ce lâche. Qui est en train de se faire tabasser? Moi. En vite. Je peux tanker au soin. Courez en perdre haleine. Courez en perdre haleine. Nous en avons pas encore terminé, Yuna. Je vous... tuerai comme j'ai tué Gorion. Le seul moyen pour vous de retrouver la paix sera de me tuer d'abord. Et c'est barré. Lâche. Ah non. D'accord. Soin des blessures graves sur moi-même. Tout ce qu'il vous plaira. Je crois que c'est dans le plus grand intérêt de retrouver et de tuer Sarévoque avant qu'il ne se charge de vous. Nous avons assisté à trop de meurtres. Malgré tout, je crois qu'il serait bien pour vous de... Malgré tout, je crois qu'il serait bien pour vous de savoir où il s'est téléporté. Un instant, je vous prie, mon dieu va m'indiquer où il se trouve. Il s'est transporté à la guilde des voleurs. Ce serait une bonne chose de poursuivre et de mettre fin à ses maléfices. Après tout ce qu'il vous a fait, il est certain qu'il cherchera à prendre sa revanche. Avez-vous besoin de mes services? Je peux toujours essayer. Nous avons réussi
à empêcher que nous soyons tabassés par Sarivok. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.